Bienvenue dans le live Hugo et Norman. Ça va clairement être culte. On va essayer de jouer à Battleground. Et comme d'habitude, on va perdre tout de suite. Je lui ai mis un petit chapeau pour me donner un petit style un peu tropical. Pour faire le mec un peu foufou dans son ordi. J'ai pensé à mettre ma casquette comme ça, moi, personnellement. Oh, bébé. Bah oui, c'est le petit Merlin. Je le laisse à son propriétaire. Je n'ai aucune complicité avec cet animal. Est-ce que vous êtes prêts à voir des gens extrêmement nuls jouer maintenant? Vous êtes prêts à voir des gens qui vont pas du tout finir dans le top 1? C'est parti. Battleground, c'est un peu comme Battle Royale le film, mais en jeu. Alors peut-être que certains sont actuellement aux Caraïbes, aux Antilles. Ah bah nous on joue à Battleground. Voilà, c'est ça nos vacances. Oulala, là là, j'ai un très bon flingue tout de suite maintenant. La plupart des gens, je pense, sont meilleurs que nous. Même d'ailleurs à tous les jeux. On va parler, on va se prendre un headshot, on va mourir. Ah, vous allez voir plus de vannes que de frags. Peut-être même pas de vannes. Peut-être juste de la tristesse et de la nullité. Oula. Oh putain, enculé. J'étais où? Juste en bas. Je suis en stress. Ah. Mais pourquoi tu l'as pas dit? C'était deux frères. Bon bah la partie est finie hein, c'est clair hein. On va se mentir. Sinon je fuis. Est-ce que je peux fuir? Eh non. Ah. Allez. Allez non. Allez bonsoir. Je suis mort avec une grenade. Ah y'a un mec. Ah je les vois. Non. J'ai vraiment trop foiré frère. Ah non. Ah il sort. Putain. Mes t-shirts sont en vente sur mon site. Ils sont de très bonne qualité. Celui-là, je l'ai depuis 50 ans. Je fais moi-même des t-shirts sur mon site. T-shirts noirs et normaux.com. Hugo, il a un t-shirt qui s'écrit « Je ne fais plus de vidéos » qui est en vente sur son site qui est offline. D'ailleurs, mon site est offline. Ah ouais. Il y a Yann Cut Jordan, ça va être clairement culte. Il y a Hugo tout seul de la chaîne complètement morte. Hugo tout seul. Viens, on nique direct. Vite, voilà. Allez, c'est bon, on se le fait là, Ouais, mais moi il m'a niqué un peu là. Oh, j'ai un flingue en plus, putain. Attends, je le course. Allez, là-bas. Oh non! Oh non! C'est son coéquipier qui m'a buté. Au bout de deux bières. Oh non! Oh non! Mais non! Cache-toi! Ça va, qu'on est soumis. Les bons soumis quoi. Enculez-nous désormais, s'il vous plaît. Le jeu montre bien qu'on est nul quoi. Oh non! Et viens nous tuer. On va entre Yann et. Oh oui! Oh oui, Yann! Je suis le seul mec sur Twitch qui est toujours mort. Oh putain, Yamas. Oh non! Putain mais on aurait trop dit que c'était Yann. T'es mal Yann, tue-le. Il y avait un mec et comme t'étais sur la map derrière au loin, oui. On voyait l'icône Yann et je me dis mais c'est Yann ça. Tout le monde se fout de ma gueule. Je ne prends pas de plaisir durant cette soirée de jeux vidéo. Heureusement que je me défonce à la bière sans alcool. Est-ce que t'as conscience que tu te stuffes pendant une heure pour mourir? T'es mort. Quel est votre film préféré? Forrest Gump. Mon oncle de Jacques Tati. Moi j'aime bien Matrix. Attention, moi j'ai connu Norman, il était un petit groupe de rock et tout. Et le nom de son premier groupe c'était Smiles and Tears. Ah putain, c'est vrai ça. Sourire et larmes. A l'époque, il faut savoir que cet homme chantait comme le chanteur de Placebo. Sur les cieux d'Anna. J'avais une petite vidéo à l'ancienne où il est en concert. Il avait un petit mulet, un mulet bouclé. C'était génial. Non, mulet bouclé, plaqué avec du gel. Voiture, ah, voiture. Il s'arrête. Ils sont là. Vas-y. Oui. Non, finis-le, il se barre. Non. Voilà. J'en ai mis un autre à terre, faut aller les terminer là, il en reste encore un. Ils sont barrés. Oui, vas-y. Oh non, j'y m'a eu, putain. C'est bon. Oui. Putain. Ah, ils sont en haut. Ah, ils sont juste là sur le côté là. Mais non, il m'a eu. Ah, ils se cachent avec la voiture, bien wesh. Ah putain, c'est une team de 3 enculés. Ouais, mais ils vont faire péter la voiture là. Ils se font tirer dessus en même temps. Qui aimerait que je rejoue? Qui aimerait me revoir dans la partie? Putain, y'a un mec dehors. Y'a des mecs dehors. Ah ouais? Et voilà, putain, il m'arrive dessus, le bâtard. Il est sur le toit. Voilà. Ouah, putain. Oh putain, y'en a un derrière, Tout seul, Hugo, t'es tout seul. Eh bien, c'est raté. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du blog d'Hugo où il faisait des poèmes? Heureusement, ce truc est totalement hors ligne désormais. Le site qui hébergeait ce type de blog a été mis hors ligne un jour. Je ne t'inquiète pas que je vais vérifier un peu tous les deux mois, parce que j'avais plus le mot de passe. Et c'est quoi les thématiques que tu abordais? Non, c'est bon. T'avais quel âge? J'étais au lycée. C'était vraiment des poèmes mélodramatiques, le plus l'âge à son maximum. Et toi, Lauriane, vu qu'on te connaît, moi je te connais depuis très peu. Pas si longtemps que ça. Tu peux nous les dire ou pas? Les trucs que tu faisais un peu extrêmes. Un bon gros dos sur moi, c'est que souvenez-vous qu'à une époque, pour accéder à du porno, c'était beaucoup plus compliqué. C'était Canal+ ou les chaînes câblées. Et comme moi, j'avais des chaînes câblées plus Canal+, j'enregistrais ces programmes qu'ensuite, je louais. Ah non. Moi aussi, il y avait un trafic au collège de mecs qui avaient les chaînes comme ça. Je louais et c'est allé tellement loin. J'avais des petites techniques marketing. Quand les mecs me rendaient la cassette, je regardais où ça s'était arrêté. Parce que normalement, là où ça s'arrête, c'est quand le mec s'est arrêté aussi. Donc tu voyais ses préférences. Et donc après, je me disais, tiens, lui, ce qu'il aime, ah c'est... Ah non, c'est génial. T'as le mec qui est complètement m'en fous quoi. Ce qu'il aime lui c'est les gros ins. Donc je te dis, tiens, si tu veux, j'ai une cassette avec que des gros ins. Moi aussi j'ai connu cette période hein. J'avais les potes qui avaient des cassettes. Je peux te dire c'était vraiment mes meilleurs potes. Putain, il y a une voiture devant, il y a des mecs devant. Faut sortir là.
Faut se faire. Oh, je l'ai eu. Bien, ouais, mais il y en a pas un autre là. Ça balance une grenade, attention, attention, attention. Bon, bah, si vous arrivez à vous les faire. Ah putain! J'en ai marre. Putain. Oh non! J'en ai marre de jeu de merde. Bon, eh bien, les amis, pour moi, c'est la fin. Je vais me sustenter et faire dodo. Et sachant que. Ah, il y a des gars, mec, il y a des gars. Bah oui, putain. On les baise? Tu fais. Eh, il m'a bu. Il m'a eu. Je reste un peu dans le corps. Là, ils ont balancé une grenade, hein. Ils ont balancé une grenade. Non! Voilà. J'en ai perdu mon chapeau. On se retrouve bientôt pour un autre Twitch parce que franchement, c'est que des bars en ce moment, c'est des bons petits délires. Allez, ciao. Au revoir. Bye.